Texaco, Azul, bonsoir. أنا مسرور جدا، فرحان جدا، جيت اليوم في القاعة هذه. في القاعة هذه جيت في 95، تلقى ربي في مارس 95، درت محاضرة هنايا، ومن بعد الكونترا درو. ولكن اليوم مش النقاش تاعنا مش الكونترادروم، الكونترادروم فات، سيتي اون اوفر دو بي كون افي فات او بوفوار كي ايتي روجيتي. سوسي اتون، جو كخوا ك تو دابور افون دو كومونسي، جو رابيل سولمو سيدي مولود، جو فو رومارسي دو مافوار انفيتي. افكتيفمون جو مسو انجاجي تري جون، اوكتوبر 88. OFFS, bien sûr, parce que j'ai opéré des torturés. J'étais convaincu que l'OFS portait l'espoir démocratique dans le pays. Et jusqu'à ce jour, je pense que c'est l'espoir démocratique dans notre pays. Je rappelle seulement que j'étais à la direction nationale en 91, comme secrétaire national d'organisation, puis secrétaire international en 93. Et premier secrétaire en 97, jusqu'en 2000, et de 2001, en 2000, j'étais secrétaire international, de 2001 à 2004, ensuite conseiller du parti. Ça, c'est juste pour un rappel de... Mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut dire de ce mouvement révolutionnaire? Je ne vais pas m'étaler longtemps, c'est pour laisser le débat. Je préfère qu'il y ait un débat, plus de temps pour le débat que l'intervention elle-même, sauf de donner quelques axes. Je crois que tout le monde sait que ça fait plus de 3 mois. Je peux parler en français ou là en arabe? En français. Ok. Donc, ça fait plus de 3 mois que ce mouvement révolutionnaire est installé dans le pays. Si vous voyez le titre de la conférence, c'est « Mouvement révolutionnaire du 22 février et transition démocratique » de février 2019 et transition démocratique. Pourquoi février 2019? Comme l'a dit Mouloud, le starter de ce mouvement a été effectivement lancé à Kharata. Comme en 1945, Kharata a été au rendez-vous. Par la suite, ils l'ont appelé le mouvement du 22 février parce qu'il a pris une importance nationale. Et ceci n'enlève en rien cette naissance et le mérite à Kharata. Donc, plus de trois mois maintenant, de vendredi à vendredi, et de mardi à mardi. Il ne faut pas qu'on oublie que tous les mardis, il y a une manifestation d'étudiants qui se déroule là où il y a des pôles universitaires. Donc, tous les mardis, et tous les vendredis, c'est également à l'échelle nationale où toute la population est intégrée. Il ne faut pas oublier également que dans ce mouvement révolutionnaire, il n'y a pas que les mardis et les vendredis. Il y a eu toutes les corporations dans le pays qui ont fait des manifestations. Que ce soit des médecins, des avocats, des magistrats et d'autres, également des employés des communaux, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce mouvement a été l'agrégation de plusieurs protestations et dans toutes les corporations, et surtout le mardi et le vendredi sont très importants parce que le vendredi se nourrit du mardi et le mardi se nourrit du vendredi. Les étudiants et leurs enseignants se nourrissent du mouvement du vendredi de toute la population et également la même chose. Le vendredi se nourrit du mardi. Je pense qu'il ne faut pas
cloisonner seulement ce mouvement révolutionnaire seulement au vendredi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces trois mois, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait essoufflement de ce mouvement. Surtout Ferdinand. Or, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui tablaient sur l'essoufflement en ont eu pour leur grade. Je dis bien pour leur grade. Et au contraire, donc de vendredi à vendredi, de mardi à mardi, ce mouvement n'a fait que se renforcer, un, de plus en plus. Deuxièmement, il demeure unitaire et national. C'est un élément important, on peut revenir là-dessus. Troisièmement, c'est un mouvement qui est resté pacifique et discipliné. Cinquièmement, la maturité politique des Algériennes et des Algériens est restée sans faille et leur détermination est encore plus grande qu'avant. D'autant plus que dans ce mouvement, il y a l'implication forte de deux composantes majeures dans le pays, que sont les jeunes et à l'avant de ces jeunes, c'est-à-dire les étudiants, et également, sans oublier, la présence féminine. Il y a une présence féminine importante. Et quand la présence féminine est importante dans un mouvement, il ne peut que durer dans le temps. Il ne peut que se renforcer. Et on a vu que, de vendredi à vendredi, à chaque fois, la présence féminine est de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut rendre hommage, un hommage particulier à la présence féminine qui, à chaque fois, de toutes les manières, dans l'histoire du pays, a montré qu'elle était présente. Je pense qu'il y a parmi vous des révolutionnaires, des gens qui ont fait la révolution algérienne, qui peuvent témoigner de l'implication et de l'importance du rôle de la femme dans tous les mouvements, notamment la révolution algérienne, également dans les années 90, en 88, dans les années 90, la décennie noire, et aujourd'hui aussi. Je pense que il ne faut surtout pas oublier et mettre de côté ces deux composantes majeures dans le mouvement révolutionnaire qu'on est en train de faire, que les Algériens sont en train de faire. Et ceci, trois mois de révolte et de mouvement révolutionnaire, malgré, et ça vous le savez tous, toutes les tentatives de diversion qu'a utilisé le pouvoir pour essayer de détourner le mouvement de sa vraie vocation, la vocation de ce mouvement, il ne faut pas l'oublier que c'est le changement radical du système. C'est un changement radical du système, mais les Algériens et les Algériennes ne veulent pas un changement dans le système. Nous y reviendrons un peu plus tard et probablement dans le débat. Donc malgré toutes les tentatives de diversion que le pouvoir a tenté, malgré toutes les provocations, parce qu'il y en a eu des provocations, et la plus grande des provocations, n'oubliez pas, c'est le tunnel des facultés à Alger. À Alger, dans le tunnel des facultés, où les Algériens, dans un tunnel fermé, ont gazé, ont jeté des bombes, ont tiré des bombes lacrymogènes pour faire, dans la provocation la plus forte, et bien sûr, ce qui était recherché par cette provocation, qui n'est pas la seule d'ailleurs, c'est faire peur aux gens et aussi faire en sorte qu'il y ait peut-être de la violence et bien sûr contre-violence et ainsi de suite, et pour arriver à un état d'exception ou à un état de siège. Donc malgré les tentatives de diversion, malgré les provocations, malgré également toutes les tentatives de division du mouvement, depuis le début, le pouvoir a essayé de parler du régionalisme, les Kabyles contre le reste de l'Algérie, les soi-disant arabophones contre les Kabyles. Or, c'est une recette qui ne marche plus. Nous avons vu tous l'emblème Amazir et le drapeau national côte à côte, flotter côte à côte dans toutes les régions du pays. Dans toutes les régions. Et ça, c'est un mouvement, c'est cette image de ces deux drapeaux montre que, d'abord,
il y a l'unité du pays, et deuxièmement, les tentatives de division, ça ne marche plus. Et aussi, il ne faut pas oublier que cette présence de l'emblème Amazigh dans les manifestations a montré que les Algériens, non seulement ils se sont réappropriés l'espace public, mais ils se réapproprient également leur identité et leur culture. Car il ne faut pas oublier que l'emblème Amazigh, même s'il a été porté, et ça il faut aussi rendre hommage aux habitants et aux habitantes de la région de Kabylie qui ont porté cette revendication depuis des décennies, notamment dans les années 60-70, mais surtout avec le mouvement berbère, le printemps berbère de 80, même si c'est la Kabylie qui a porté cet emblème et cette revendication, il se trouve qu'aujourd'hui, tous les Algériens se sont réappropriés leur identité, et ce qu'on voit dans toutes les manifestations, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, ces deux drapeaux qui sont côte à côte, sans aucun problème, fait que c'est un mouvement qui reste unitaire. Et nous sommes, c'est un message très clair envers les tenants du pouvoir pour leur dire que nous sommes tous Algériens et l'Algérie nous appartient tous. Elle n'appartient pas aux seuls détenteurs du pouvoir. Alors, après ces tentatives de diversion, de provocation, de division, il y a eu, maintenant, on voit qu'il y a un durcissement, il y a un durcissement du pouvoir qui est en train de s'opérer. Preuve en est les arrestations qu'il y a eu, importantes qu'il y a eu hier. Des arrestations, dès les premières heures de la journée, il y a eu des arrestations. Tenez-vous bien, même une vieille que j'ai vue, une personne assez âgée, une vieille femme qui a été arrêtée près de la place Mauritanie à Alger. Pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'elle portait un drapeau berbère. J'ai vu ça sur YouTube ou sur Facebook, je crois, sur Facebook. Elle a été arrêtée par une femme policier en civil, en lui demandant de lui donner le drapeau, l'emblème Amazigh. Et la femme n'a pas voulu lui donner le drapeau. Elle lui a dit, si tu veux le drapeau, n'a-t-il que le drapeau, n'a-t-il que le drapeau, n'a-t-il que le drapeau. Et par la suite, elle a été arrêtée. Ensuite, ils l'ont relâché l'après-midi, bien sûr, mais c'est pour dire que même un enfant a été arrêté. C'est quoi cette histoire? Un enfant, on arrête un enfant. On aura tout vu dans ce pays. Donc, ces éléments-là sont le fait que aujourd'hui, le pouvoir est aux abois. Il y a un durcissement des procédés qu'il est en train de faire pour essayer de casser l'élan de ce mouvement qui est révolutionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Algériens sont comme ça. Plus on essaie de réprimer, plus ils sont déterminés. Et là, contrairement à ce que pensent les tenants du pouvoir, en pensant réprimer les Algériens, ils sont en train d'exacerber et d'élargir le fossé et donc d'élargir cette détermination de la population algérienne. Et je suis certain personnellement, parce que comme vous tous et vous toutes, j'ai fait toutes les manifestations, pratiquement toutes les manifestations, et on voit de semaine en semaine une détermination de plus en plus importante et une radicalisation de plus en plus importante, mais elle reste dans le cadre pacifique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une osmose, qu'il y a un tekemou, ou telahoum, et une véritable osmose entre toutes les catégories de la population et toutes les tranches d'âge. Chers amis, devant tout ça, et avec les 3 mois de manipulation, les 3 mois de contestation et de mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter, aujourd'hui le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut encore nous faire? Il nous donne l'illusion d'une fausse solution à la crise. D'une fausse solution à la crise. C'est quoi la solution? Le cadre fertile sombre, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution. Or, tout le monde sait que la Constitution, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Ils l'ont violée à plusieurs reprises, ils l'ont
maltraité à plusieurs reprises, et ils veulent nous faire laisser, nous faire rentrer dans la Constitution pour aller à l'élection illusoire du 4 juillet. Or, on sait que tout le corps électoral est dans la main. Tout le corps électoral rejette, mais ils veulent nous emmener de là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai pour le dépôt des candidatures. Et à ma connaissance, un seul a essayé de déposer aujourd'hui, c'est un ancien militaire en retraite qu'on ne connaît pas du tout. C'est pas Adélie. Adélie n'a même pas. C'est un ancien qui aurait collecté les 60 000 signatures, sauf qu'au dernier moment, il s'est retiré il y a quelques heures. C'est-à-dire qu'il veut nous emmener à une élection où il n'y a même pas de candidat. Il n'y a même pas de candidat où le corps électoral est dans la rue. Donc, pour nous, et bien on l'a dit bien avant, et pour toute la population, ce scrutin du 4 juillet est disqualifié de facto. Il n'y aura pas d'élection. Et si jamais ils veulent aller à une élection, ils auront zéro vote. Et on fera barrage parce qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, pour nous, cette élection est complètement disqualifiée, il n'y aura pas de vote le 4 juillet. Et il y a aussi un autre élément qui fait la une pratiquement toutes les semaines, c'est les différentes arrestations et les mises en prison, en détention provisoire, de plusieurs hauts responsables du pays. En fait, même si la majorité des Algériens, et j'en suis un, on est content qu'il y ait ces arrestations. Sauf qu'elles ne se font pas dans les règles correctes. Parce qu'avant qu'il y ait une arrestation où on peut juger quelqu'un, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Or, la justice n'est pas indépendante. Monsieur Gaïd Salah nous dit que ça y est, la justice est devenue indépendante. Comment ça est devenu? Le mercredi, il donne des instructions, la justice fonctionne, et collectivement, la justice est indépendante. Je crois que même si la majorité des Algériens appuient ces arrestations parce que trop de mal a été fait à ce pays, trop de mal a été fait envers les Algériens et les Algériennes. Et c'est pour ça que la population. C'est quoi Itnahawga? C'est tout le système qui doit être démantelé. C'est ça la véritable signification Itnahawga. Ça ne veut pas dire, on ne dit pas que Itnahawga, les chefs d'Aïra, les Wali, on ne va pas démanteler la structure administrative du pays, il faut que le pays fonctionne. Mais ceux qui sont responsables de la crise politique dans laquelle on est, et on continuera tant qu'il y aura les Bédouis, les Bel'iz, les Ben Salah, et ainsi de suite. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que tous les symboles du régime doivent partir, et bien sûr, il y aura la justice qui va faire son travail après. C'est pas vous, monsieur, il y aura il y aura. Ça, c'est clair. Je crois qu'aucun Algérien ne peut accepter qu'il parte comme ça, qu'il y mette le voile. Qu'il a eu le blé, fait le sol blé, Djihlou, et il faut qu'il rende des comptes. Donc, je crois que cette tentative de diversion, même si, comme je l'ai dit, la majorité des Algériens, pour ne pas dire l'écrasante, la totalité, ont accepté. Avec beaucoup de qu'il y ait ces arrestations, sauf que, attention, non seulement il y a tentative de diversion du mouvement, mais il y a aussi des règlements de compte qui vont se faire, des luttes de clans. Chaque clan au sein du pouvoir veut avoir la majorité du pouvoir. Et donc il y a Dans ça, il y a beaucoup de questions qui se posent.
Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est pour ça que la justice n'est pas indépendante. Est-ce que ce n'est pas une lutte de clans? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et jusqu'à présent, je crois que l'objectif principal de toute cette cascade d'arrestations, c'est en fait de déplacer le débat. Faire en sorte que les gens oublient que le véritable objectif de ce mouvement révolutionnaire, c'est le changement radical. On veut nous faire taire par ces arrestations. C'est bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous, on veut un changement radical du système. Je crois que, chers amis, ce que demande aussi la population, et on l'a vu durant ces dernières manifestations, des demandes de plus en plus claires. On ne veut pas d'un État militaire. Même s'il y a des tentations de ce pouvoir pour aller à l'État militaire. Mais on ne veut pas d'État militaire. Nous, ce qu'on veut, c'est un État civil, un État de droit. C'est ça, c'est cela qu'on veut. Donc, je crois que si on voit toutes les propositions de toutes les personnalités, des partis politiques, du mouvement associatif, il y a quand même des points de convergence qui existent. Des points de convergence que sont 1. Le départ du système Adonai. Deuxièmement, la nécessité d'une transition démocratique. Parce que quand on parle de changement radical, c'est on passe d'un régime corrompu et corrupteur à un état de droit. Donc c'est un véritable changement radical. Donc on est d'accord pour le départ du système, d'accord pour la transition démocratique. On est d'accord aussi pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. On est d'accord aussi pour qu'il y ait une justice libre et surtout indépendante. On est tous d'accord pour qu'il y ait une séparation des pouvoirs. On est tous d'accord pour qu'il y ait une constitution qui émane du peuple. Ça, c'est un socle qu'on retrouve chez tous les acteurs qui sont dans la rue et chez toutes les personnalités politiques, les partis politiques et les... Maintenant, c'est la manière avec laquelle on doit arriver qui change. Et ça, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un véritable dialogue pour qu'on puisse trouver un consensus, un compromis. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin surtout de compromis. Alors, la majorité des gens te disent, mais on va marcher jusqu'à quand? Éteignez-lui, Mouhanouchi. Ça fait 3 mois, on va continuer comme ça. Et après? Je pense que on va continuer à marcher et à revendiquer jusqu'à ce qu'il y ait réellement un climat d'apaisement et un climat de confiance qui s'installe entre le pouvoir et la population. Et ce climat de confiance, avec Joum Thira, bin Mouatni ou bin Hukam, il y a 6 points qui me paraissent importants pour qu'il y ait un véritable climat de confiance. 6 points. Le premier point, c'est le départ des symboles du régime. Romoz, Dalhok, Marofin, Adul Esmero. Thani, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et du Conseil de la Nation. Ça, c'est des éléments qui peuvent rendre un peu d'espoir à la population. Troisièmement, c'est d'arrêter toutes les provocations, les harcèlements et les menaces. Il y a des provocations qui se passent, il y a des harcèlements et il y a des menaces. On le voit dans les discours du chef d'état-major. Les menaces, le harcèlement contre les manifestants, contre les militants des partis politiques, et du mouvement associatif et des ligues des droits de l'homme, contre les syndicalistes, les harcèlements contre les syndicalistes, contre les journalistes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des journalistes qui subissent des menaces et des harcèlements quotidiens. Contre également les militants du mouvement associatif et surtout qu'il y ait la libération des détenus d'opinion. Parce qu'il y a des détenus d'opinion.
comment il s'appelle, celui qui a le premier à Ghermoul, Hajj Ghermoul, il y a Fkhar, à Gherdaya et d'autres, etc. Il y a des détenus, il faut libérer les. Donc, un, je reprends un petit peu, c'est le départ des symboles du régime. Deux, la dissolution des deux assemblées, APN et Conseil de la Nation. Trois, l'arrêt des poursuites, des harcèlements, des menaces et des provocations. Quatre, c'est lever les barrages autour des grandes villes le vendredi. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Alger. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Oran. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Annaba. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme toutes les portes qui emmènent à Sétif. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme toutes les portes qui emmènent à Borj-Boualeldj. Donc, il faut lever ces boucliers installés par le pouvoir, ces boucliers de gendarmes qui entourent les grandes villes et qui empêchent les citoyens d'aller rejoindre les autres manifestants dans toutes les villes du pays. Cinquièmement, il faut qu'il y ait l'ouverture réelle des médias, notamment la télévision et la radio. L'ouverture réelle des médias au débat contradictoire. Il n'y a pas de raison pour qu'ils nous emmènent seulement des gens qui sont proches du pouvoir, qui viennent nous bassiner avec les propositions du pouvoir. Je suis passé, je crois, le 23 février au Lemichaf, au moment de la première marche, à la télévision algérienne, sur la A3, en direct. On a négocié le direct, on a eu le direct. Mais après, il n'y a plus de débat contradictoire. Il n'y a que la clientèle du pouvoir qui est en train de squatter les plateaux de télévision et de radio. Les radios, les télévisions privées, ils ouvrent un petit peu l'espace. Mais on sait aussi qu'ils essaient de manipuler certaines télévisions privées, pas toutes, jouent dans la manipulation. Et le sixième point, dans le climat de confiance avec ces djoub, le manar ta'thiqa, le sixième point, c'est qu'il y ait un engagement clair de la part de l'état-major de l'armée pour aller à une transition véritablement démocratique. Un engagement clair. Mais si un jour il dit qu'on est avec la population et l'article 7-8 de la Constitution, et un jour il dit que non, l'article 102, on va aller aux élections. Non, il faut qu'il y ait un engagement clair de la part de l'état-major de l'armée pour amorcer un processus politique pour une véritable transition démocratique et l'ouverture d'un vrai dialogue. Un dialogue avec qui? L'ouverture d'un vrai dialogue avec les acteurs autonomes de la société. Autonomes. Que ce soit parti politique, personnalité politique, syndicats, mouvement associatif, c'est tous les acteurs autonomes qui sont dans la société. Les représentants du mouvement citoyen, les universitaires, etc. Donc c'est un engagement clair des tenants du pouvoir pour aller à une véritable, pour amorcer un processus politique de transition démocratique. Pardon. Alors, si vous savez, si Gaïd Saleh, enfin, qui si Gaïd Saleh nous dit, est relayé par plusieurs partis politiques et plusieurs politologues, parce que quand tout le monde est devenu politologue, il dit on va à ces élections pour éviter le vide constitutionnel, parce que les partis politiques et les personnalités indépendantes et le mouvement associatif n'ont pas fait de propositions correctes. C'est pas vrai, il y a énormément de propositions correctes qui ont été faites de la part de plusieurs acteurs de la société civile et des politiques, dont notre parti, le FFS. Très tôt, on a fait une proposition de sortie de crise, une initiative politique pour ne pas dire une deuxième république à Desliman. Une initiative politique pour une deuxième république. On a fait une proposition bien articulée. Une proposition très bien articulée. Une proposition
où il y a l'ouverture d'un dialogue à travers de la transition, l'armée doit se retirer définitivement du champ politique pour vaquer à ses obligations que sont la souveraineté du pays, les frontières, la sécurité des biens et des personnes, ça s'arrête là. Donc à la fin de la transition, pour nous, l'armée doit se retirer du champ politique. Mes chers amis, sur la base de ça, le FFS a lancé déjà un appel. Nous avons lancé un appel aux forces vives de l'alternative démocratique pour une concertation et un dialogue. Les contacts ont commencé à être pris. Nous allons continuer nos contacts. Nous voulons qu'il y ait une rencontre nationale de concertation et de dialogue dans un délai raisonnable pour qu'on puisse mettre en place tous les organes de transition. Et c'est dans la discussion, dans le consensus, qu'on va trouver une solution. Et là, nous avons fait une proposition. Il y a d'autres acteurs qui ont fait d'autres propositions. C'est du dialogue et de la persuasion qu'on trouvera un consensus minimum pour le pays. Et là, c'est ce que nous voulons. Mais si demain, il y a un consensus autour d'une autre vision de l'Algérie, mais qui soit démocratique, nous sommes partie prenante. À partir du moment où il faut un véritable dialogue, il faut une véritable négociation. Donc nous avons entamé des contacts déjà avec certaines personnalités politiques. Nous allons continuer avec des partis politiques, d'autres personnalités. Nous allons continuer avec les syndicats. Nous avons déjà pris des contacts avec des syndicats, Confédération autonome des syndicats. Nous allons continuer avec le mouvement associatif. Nous ne voulons pas être, nous, l'OFFS, comment on appelle ça, la locomotive. C'est pour faciliter. Tous les acteurs doivent trouver entre eux la solution. Ce n'est pas à nous d'imposer ou là à quelqu'un d'autre de venir imposer. Je crois que l'Algérie maintenant, et avec Deslimane, on a discuté 7 minutes tout à l'heure, mais il a dit une chose qui me paraît importante, c'est que nous sommes tous fiers de ce mouvement révolutionnaire. Tous. C'est une réalité. Partout dans le pays. Mais est-ce que ce mouvement, est-ce qu'il ne faut pas un encadrement à ce mouvement? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, aller à l'organisation de ce mouvement? C'est bien que pour le moment, je vais vous dire quelque chose, c'est une excellente chose que pour le moment, ce mouvement reste horizontal, qu'il n'y ait pas de représentants. Pour le moment. Pourquoi? Parce que je vous rappelle une seule chose que vous avez tous vécue. La Haroche. Les événements de la Haroche 2000. Les événements 2000. Les années 2000. Les années 2000. Et 2001, bien sûr. Les années 2000. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, on a vu sortir comme ça. On a fabriqué des représentants. Ou un fabricant de Charles, ou Ali, je ne sais qui, Ali Rambi, et ainsi de suite, Belaïd Fabrika. Enfin, ils ont fabriqué, donc, et on a vu comment Kharjou avec les interlocuteurs, et tout de suite après, les services, est-ce que ce n'est pas eux qui les ont installés? On ne sait pas. Du moins, ils ont négocié avec les services pour mieux casser le mouvement. Et ils l'ont cassé. Donc, notre chance aujourd'hui, c'est que ce mouvement soit horizontal. Ils n'ont pas pu mettre des objets pour négocier Makdrouche, pour royauter Makdrouche. Mais à un moment donné, il va falloir passer à une autre étape. Il faut passer à une autre étape. C'est bien aujourd'hui qu'ils soient horizontaux. C'est notre chance.
C'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse. Parce que continuer comme ça, jusqu'où? S'il n'y a pas une vision de sortie de crise, s'il n'y a pas à un moment donné une organisation, quelconque qui émane de ce mouvement citoyen. C'est pas à nous de leur dire voilà ce qu'il faut. Non, ça doit émaner. Et ça, je pense que ça commence à se faire petit à petit. On a vu que dans les universités, il y a, dans les campus universitaires, il y a des rencontres entre étudiants et donc il y a des leaders qui commencent à émerger. Parmi les médecins, il y a des leaders qui commencent à émerger. Parmi les syndicats, parmi les mouvements associatifs. Je pense que ça commence à prendre, mais à un moment donné, il faut passer à une étape plus qualitative pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs qui soient réellement représentatifs de ce mouvement révolutionnaire et qu'on puisse aller, Inch'Allah, à une transition véritablement démocratique et à un état de droit. Et je crois que on a vu sur Facebook et un peu partout, moi j'ai eu la chance de travailler directement avec un devin, quelqu'un qui a une vision, un visionnaire, qui est Hossein Aït Ahmed. Je pense que je vous demande tous de relire ce qu'il disait en 2000, ce qu'il disait en 90, ce qu'il disait en 63. Et je crois que c'est un véritable visionnaire, j'ai eu cette chance. Et je pense que, dommage qu'il ne soit plus de ce monde pour voir ce qui se passe, parce que avec d'autres, pas que lui, avec d'autres politiques, ils ont semé énormément de graines dans ce pays pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je suis sûr que les responsables de demain, peut-être qu'on ne les connaît même pas. Ils sont parmi les jeunes, peut-être à l'université de Bjaïa, peut-être à l'université de Tizi Ouzou, peut-être à l'université d'Oran. Il y a, mais pour le mieux, je te dis, on n'a pas de leader. Il suffit d'ouvrir un peu, vous allez voir les leaders qui vont apparaître. Et nous avons vu lors des marches des jeunes d'à peine 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont une maturité politique incroyable. Mais malheureusement, tout est fermé. Ils ne peuvent pas apparaître. Et c'est dans la dynamique, c'est ce que disait ce président à chaque fois, c'est dans les dynamiques d'ouverture, dans les dynamiques que les leaders apparaîtront demain. Demain, ils apparaîtront demain. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de choisir tel ou la tel ou la tel. C'est dans la dynamique que nous verrons les leaders de demain. Je vous remercie et je suis prêt à... تبدل الحكم والحكم هو اللي يحكم دير هذا ورجع هذا الى اخره هذيك معروف انا نشوف لا فلان نشوف فلان الى اخره في الحزب تاعنا ثلاثه بس حنايا مقتنعين بالتداول المسؤوليات داخل الحزب. معناها هذه في الاستاتيو تاعنا في الاستاتيو من برمي كونغري حتى الان تداول على السلطه. لماذا على السلطه داخل الحزب؟ المسؤوليات داخل الحزب لماذا؟ لان عندنا كان عندنا ربي يرحمه ويوسع عليه رئيس تاع الحزب سي حسين عيد احمد. حسين عيد احمد سي ان مونستر ان بوليتيك. Personne ne peut le remplacer. Et depuis le début, depuis les années 90, parce que je suis à la direction depuis les années 90, je peux parler de ça. Il fallait que chaque responsable ait la possibilité d'être, enfin,
d'exercer, chaque responsable peut exercer une responsabilité aussi importante soit-elle, c'est pour qu'il puisse d'abord se politiser encore plus, apprendre à gérer un parti politique, chercher lui-même d'autres militants qui ont des capacités et les faire évoluer, ce qui fait que le parti a effectivement enfanté énormément de responsables qui peuvent gérer n'importe quelle situation. C'est une réalité, hein, qui peuvent gérer la situation. Alors, est-ce que c'est fait par vote ou non? Ça dépend de la Rwanda. Anna, entre deux congrès, il y a le Conseil national, le Mujlis al-Watani. Tous les afrad du Mujlis al-Watani sont élus. في المؤتمر واللي كان ولايات اللي ما كانوش عندهم ممثلين في المؤتمر هذاك المسؤول الاول نتاع الولايه نتاع الفيدراليه هذيك يدخل المجلس الوطني وعندنا في دونك بعد رحيل تاع السي حسين ربي يحفظه عليه درنا انستانس بريزيدونسيال l'instance choisie parmi les membres du conseil élus, elle choisit le premier secrétaire parmi les membres du conseil dans les statuts la dernière, c'est tous les deux ans renouvelable Bekri qu'on a une année renouvelable on a par exemple il y a 3 semaines un bâtre bâtre أمين وطني مكلف في العلاقات الخارجية عاود وليت أيضا أمين أول خاطر كان ظروف أخرى كل ظرف عندها المسؤول تاعها ولهذا احنا عندنا تداول على المسؤولية هي يعني خطة سياسية ونظامية يعني كانت bien réfléchie dans le sens où chacun de nous a des possibilités d'améliorer et de chercher encore d'autres. Donc là, c'est une alternance, c'est parmi les élus, on choisit واحد. Deux ans après, il fait, quand on choisit un premier secrétaire, il vient, qui est Malbara Lefat, le premier secrétaire, M. Hakim Bedassel, il vient avec un programme d'action. Qui met un programme de gouvernement, un programme d'action sur deux ans où Amin Mbeck, il trace un programme terme. Il a un djah, marahba, bala qui va être conduit, il a un djah, il y aura un autre. Et ainsi de suite. C'est exactement. Maintenant, l'Ahzab l'Ukhra, le chfnab, il y a un Ahzab, où il y a un chib, il y a un Ahzab, il y كاين الاحزاب ما عندهم لا دين لا مله لا دين لا مله علاش راهم مع بوتفليقه ومن بعد رجعوا مع الانتخابات نتاع الكاجويين ومن بعد قايد صالح عطى امر قال الجزائريين لا هكذا راهم مع الاخر الى اخره سيدي كاميليون كيما تقول هذيك يعني معروفه من بكري سي بور سا حنا غنتكلموا على الحوار اللي يكون مع كل الاحزاب والشخصيات السياسيه والشخصي والمنظمات تاع لا سوسيتي سيفيل ولي سانديكا الكل اوتونوم بارابور اكوي اوتونوم بارابور او بوفوار باسكو الحاشيه تاعهم راح تجيب لي تاغب راح نحاول انا مع تاج الانبياء فلان ولا رندي تحاور مع علاش حتى كاميليون معاك هكذا غدوة قايد صالح يقول دور هكذا دور هكذا سي اون رياليتي دونك اون كومونس باغ لي بارتي اوتونوم سي ماتنا باغ لي زاكتور اوتونوم بارتي بوليتيك بيرسوناليتي سي ماتنا بلو تار دون لو كادر دان كونسونسوس تو الموند دوموند اسكيلي qu'on se renforce avec d'autres partis politiques, ça c'est le dialogue. Je ne dis pas que les gens qui ont été en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire.
ولا كل الناس في الدار عندي باش يلحق لا كاين ناس نضاف داخل الحزب هذوك شي كاع كيف كيف لكن المسؤولين تاعهم المسؤولين تاعهم حاجه اخرى كي الزواج الزواج القانوني الموت سي حواس سي هذا سي تاع نتكلم على لا كونستيتيونت المجلس التأسيسي وكاين تخوف كاين تخوف يقول لك ce n'est pas d'actualité parce que il y a des idéologies différentes peut-être que l'islam les islamistes agdaoul adima mais là je suis contre تخوف هذا لماذا لان غير تكلمت عن الباكت je vous prends l'exemple de l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud, il y a eu une commission pré-constitutionnelle qui s'entend sur les garde-fous. Il y a des garde-fous. Ça, c'est une commission pré-constitutionnelle, mais qui a un peu la constitution. Kif-kif, le pacte dont je parle, le pacte des Trinzaf, la Hewa, l'utilisation de la religion, c'est un pacte qui sera intégré dans la constitution. C'est un point de non-retour. Hein, donc, comment les garde-fous ? Il y a des garde-fous. La non-utilisation de la religion à des fins politiques. La non-utilisation de la violence pour arriver au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Le respect des droits de l'homme. Le respect de tous les droits de l'homme. Et il a créé la séparation des pouvoirs. Qui parle de séparation de pouvoir, parle de justice indépendante, l'état de droit. Tout ça, ce sont des garde-fous qui font éviter au pays des discussions qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et puis aussi, moi je pense que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, l'écrasante majorité des manifestants du sud au nord et d'est au ouest sont pour une démocratie réelle. C'est une réalité, on le sent. Tout le monde en parle. Et ça, il ne faut pas avoir peur de... Deuxième point dont vous parlez, pourquoi on se disperse les vendredis, le mardi, les autres... Non, je pense que chaque manifestation se nourrit de l'autre. Le vendredi, c'est tous les Algériens dehors. Tous. Dans la semaine, s'il y a des médecins qui font une manifestation, tant mieux. S'il y a des magistrats, tant mieux. L'essentiel, c'est que le vendredi, on se retrouve tous. Et il y a une chose, pourquoi je parle du mardi, parce que le mardi, qui c'est qui marche ? Ce sont les étudiantes et les étudiants. Ce sont les élites de demain. Ce sont les élites de demain. C'est ce mouvement étudiantin qui est en train de renforcer le mouvement révolutionnaire. Il faut que... Moi, je pense que les étudiants doivent continuer le mardi. C'est vrai qu'il n'y a pas un nombre aussi important. On ne peut pas être tous dans la rue tous les jours de la semaine. Le vendredi, on est tous dans la rue. Mais entre-temps, là où ils peuvent protester. Et où ils connaissent la banque, dans une entreprise. Et où ils connaissent une mi-banque. Mais les étudiants, ce sont des milliers tous les mardis. Mais je prends une banque. Allez à Algéboire, allez à Oran, allez à Borjoua, allez à Djidjid, allez à Bougie. Ce n'est pas le nombre aussi important que le vendredi. Mais les étudiants, ne sont pas 40 millions d'Algériens. Les étudiants, il y a des dizaines de milliers seulement. Et tant que les étudiants sont dans la rue, il faut être fier, il faut les encourager, et c'est eux qui nous donnent encore du courage. Et tant que... C'est une réalité. Et tant que la composante féminine
Je vous dis quelque chose, les étudiants, les jeunes, les étudiants et les femmes, tant qu'un du coup nous fait le mouvement, on est bien parti. Le jour où les femmes se retireront de ce mouvement, le jour où les étudiants se retireront de ce mouvement, le fer de lance du mouvement insurrectionnaire, du mouvement révolutionnaire aujourd'hui, ce sont les jeunes, les étudiants et les femmes. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il ne faut pas perdre de vue. Et qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Tu as fait aller. Moi, je connais le colonel Narbel. Et le Tarouij, il y a un Tarouij de Bilal. Oh, il y a un. Rachid. C'est la réalité, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. رجع رئيس حكومة en poste ويحيى واش قال لك ويحيى جوع الكلب تاعك يتبعك en poste لحقوا الدرجة هذه جوع كلبك يتبعك vous imaginez ce que c'est ما تدخلش في العقل en poste جوع كلبك يتبعك. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un tel mépris envers cette population. Un mépris, mais chier. Un tel mépris. La preuve, voilà. Voilà un moment. Et ça, c'est les jeunes et les étudiants. C'est aussi, c'est le résultat. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une génération spontanée comme ça. Ce mouvement n'est pas une génération spontanée. Ce mouvement est l'aboutissement de luttes successives depuis l'indépendance et surtout depuis les années 80. Mouvement berbère, octobre 88, tragédie noire, la Haroche, et ainsi de suite. Les partis politiques qui se sont fait tabasser nous-mêmes, d'autres, la société civile, c'était l'aboutissement d'une succession de luttes qui a fait que aujourd'hui, c'est tout le monde qui se retrouve à. Et donc, les histoires de grève, moi, la grève, personnellement, hein, pour le moment, c'est pas une bonne. Pour moi, il vaut mieux continuer à manifester bruyamment comme ça qu'on connaît, on obtient plus. Parce qu'une grève, soit c'est une grève générale, insurrectionnelle, t'as ça. Mais pour le moment, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je ne crois pas. Pour le moment. Il n'est pas exclu. Elle n'est pas exclue à terme. Mais pour le moment, je pense que c'est la meilleure. Ceci étant, je crois qu'on arrive effectivement dans une heure exactement, c'est la clôture du dépôt de candidature. Or, avant de commencer la conférence, aucun candidat n'a déposé de candidature. Un seul avait tenté de déposer, c'est un ancien militaire qu'on ne connaît pas. À la retraite. Monsieur Deli. Monsieur Deli, il s'est rétracté, Salhil s'est rétracté, Bel'id s'est rétracté, mais il y a un ancien militaire qui voulait déposer. Et au dernier moment, il s'est retiré. Donc, apparemment, il n'y a pas de candidat. S'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, effectivement, il y a une tentation depuis le début, d'aller à l'état de siège, d'aller à l'état d'exception. Sauf que la résistance dans le pays est telle que c'est difficile pour eux d'aller à un régime militaire. Ça ne veut pas dire que c'est exclu. Ça ne veut pas dire que c'est exclu à Simolo. Est-ce que on prépare un état d'exception? C'est pas exclu, mais ça me paraît difficile dans l'état actuel des choses pour que l'armée joue ce jeu.
Ça me paraît un peu difficile. Et ils sont effectivement, c'est pas aujourd'hui. On a vu le chef d'état-major qui a changé de discours à plusieurs reprises, entre menaces et entre soi-disant appui au mouvement citoyen, et de l'autre côté des menaces. On l'a vu, ça traduit quand? Ça traduit quoi? Ça traduit une panique, ça traduit un manque de vision politique, ça traduit une gestion au coup par coup. Il se met le vendredi, c'est ça le... Et ça prouve qu'ils n'ont pas de stratégie réelle, et c'est un état de panique réel qui existe pour ça, au sein de l'état-major de l'armée et des tenants du pouvoir, pas seulement de l'état-major, mais des tenants du pouvoir. Quant à l'encadrement de... Ça aussi, ça rejoint l'état de panique. Alik Jabel Salah, au début, elle était dans une conférence nationale de suivi des élections. Il a invité plus de 100 acteurs politiques, sociaux, etc. Malakosh. Où est-elle, Malakosh, la conférence? Où est-elle, Malakosh? Elle a eu une conférence, Malakosh. Donc, elle est là. Deuxièmement, on a vu Gaël Salah qui a dit il faut qu'on mette une commission de surveillance des élections. D'abord, il n'y a pas d'élection. Rahat flouche. Il n'y a pas d'élection. 4 juillet, il n'y a pas de scrutin. Déjà maintenant. Quand on va mettre une commission de surveillance des élections, on va mettre les magistrats qui vont encadrer l'opération de vote. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils n'ont pas de stratégie réelle. Et que le bras de fer qui est en train de s'opérer aujourd'hui entre la population et l'état-major de l'armée est en faveur de la population, aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais aujourd'hui, le bras de fer est en faveur de la population. Et je pense que avec un régime militaire à la Sicile, ils peuvent le faire. Ça va être très difficile pour eux. Sur le plan international, ils ne peuvent pas se permettre. Et puis, est-ce que l'armée est homogène? Point d'interrogation. Pour le moment, oui. Mais demain, s'ils vont plus loin, s'il y a une répression féroce, sanglante, est-ce que c'est toutes les questions qui sont posées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux, même s'il faut être vigilant, quant à un éventuel état d'exception, état de siège, ou même un régime militaire, il faut être très vigilant. C'est pour ça que l'importance de la durée de ce mouvement et de la détermination est cruciale pour le moment, pour pas qu'on aille à ce genre de situation très dommageable pour le pays. Monsieur Bouzidi, question précise. Que font encore les élus du RFS à l'Assemblée et au Sénat? Tout d'abord, je ne suis pas venu pour parler du RFS, des structures internes. Première des choses. Ceci étant, je crois que le parti a pris une résolution de retrait des parlementaires. Maintenant, les parlementaires qui ne veulent pas se retirer, c'est leur problème personnel. Ce n'est plus un problème au niveau du parti. Je crois que c'est ça qu'il faut. Mais là, en tant que parti, conscient des enjeux et vis-à-vis de la population, le parti a demandé le retrait de ses parlementaires. Que sera l'Algérie de demain? L'Algérie de demain, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Sauf que l'Algérie d'aujourd'hui, les tenants du pouvoir ont tout fait pour ne pas montrer ce qu'elle est exactement. L'Algérie est algérienne. L'Algérie de demain sera algérienne. Dans tout le sens, dans tous les sens du terme. Algérienne comment? C'est une Algérie plurielle, d'abord.
sommes une Algérie plurielle. Nous sommes riches de notre culture, de notre identité amazigh. C'est important. De notre également دفع تاعنا العربي عندنا دفع عربي وعندنا دفع اسلامي ça ne veut pas dire qu'islamaoui on n'est pas des islamistes mais nous sommes en majorité des musulmans dans notre pays avec notre identité amazigh et nous avons également notre arabité qui est là c'est ça la plurielle je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on discute de sauf que depuis le début, depuis l'indépendance, on a voulu nous mettre comme tous des Arabes. Une seule langue, un seul repère, l'arabité et l'arabe, et l'islam. Et ils ont tenté d'essayer d'enlever tout ce qui est amazigh, en jouant sur la corde sensible du régionaliste Baïl contre eux. D'abord, les Amazigh ne sont pas seulement des Kabyles. On a même dit, je suis un homme qui m'a dit, je suis un homme qui m'a dit, je suis un homme qui m'a dit, je suis un homme. Parce que nous sommes tous des Amazigh. Tous. Mais quand on a dit, nous sommes tous des Amazigh. Et l'Amazighité, ce n'est pas seulement notre pays. C'est vrai. Qu'il y a une chose, il faut rendre hommage à la région de Kabylie qui a porté cette revendication. Il faut rendre hommage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut rendre hommage à la région parce qu'elle a porté. Elle a porté ce fardeau, elle a revendiqué jusqu'à ce que les Algériens comprennent tous que nous sommes un Amazigh. Et quand je parlais du drapeau berbère tout à l'heure, l'emblème amazigh, il n'appartient pas seulement à la Kabylie ou à l'Algérie. Il appartient à toute l'Afrique du Nord, le Sahel, le Maghreb, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, également Mertel-Aspalmas. C'est un emblème, mais... Et il ne faut pas oublier que ceux qui ont porté ça dans notre pays, c'est bien la région de Kabylie et la région de l'Est, Chaouia, et également des Targhis et ainsi de suite. Il faut rendre hommage, c'est ça l'Algérie de demain, c'est une Algérie plurielle, riche de notre identité, riche également de notre diversité, c'est ça l'Algérie de nous. Elle est algérienne. Donc sur ça, c'est repris, je crois que c'est... Nous ne sommes ni français, ni arabes à 100%, ni... Nous sommes amazigh, nous sommes algériens, avec nos différences qu'il faut assumer totalement. Desliman, je crois que il a donné un point de vue, je crois qu'il est parti. Il a donné un point de vue que je rejoins à 80%. C'est pour ça que à un moment donné, j'en ai parlé, à un moment donné, ce mouvement révolutionnaire citoyen, il faut qu'il y ait des représentants de ce mouvement et un encadrement pour qu'on aille plus loin et qu'on s'installe dans la durée pour qu'on aille à une véritable démocratisation dans le pays. Merci. Ça, je rejoins totalement votre... Merci. Le pouvoir, la nature du pouvoir a toujours été un consensus, même mot, entre différents clans à l'intérieur du pouvoir. Ce pouvoir est composé de clans et ils agissent toujours par consensus. Toujours. Même un consensus minimum. Sauf que cette fois-ci, l'arrestation
et l'emprisonnement de, du chef, l'ancien chef de la sécurité, le général Poufet, et les arrestations nous font penser qu'il y a un clan qui a pris le dessus sur d'autres clans. C'est l'impression que nous avons. Nous n'avons pas tous les éléments, sauf qu'il y a toujours eu des guerres de leadership entre eux, des guerres de clans, et en général, il y a un consensus qui se fait entre eux, surtout lors des présidentielles. Vous savez tous que l'armée a toujours été la véritable détentrice du pouvoir. Ce n'est pas l'armée en tant qu'armée, en tant qu'institution, mais les responsables de l'armée avec d'autres intérêts financiers et autres qui étaient là, qui formaient des clans, et on trouvait toujours, par exemple, pour qu'il y ait le choix d'un président, c'était un consensus qui se faisait entre eux. Or, cette fois-ci, il n'y a pas eu de consensus, puisque, avec, bien sûr, ce mouvement révolutionnaire, Bouteflika est parti, mais si Bouteflika a fait le cinquième mandat, c'est qu'il n'y avait pas de consensus autour de celui qui allait remplacer Bouteflika. C'est ça aussi la réalité. Donc, pour dire, il y a toujours des guerres de clans, il y en a toujours, jusqu'à présent. Et je crois que les arrestations qu'il y a eu, même si ce sont des arrestations que la population a demandé derrière les SABAC à Troyes et les Akhéré, sauf que, est-ce que ce n'est pas des règlements de compte entre clans aussi? Est-ce que ce n'est pas... Parce que ces arrestations posent beaucoup de questions, qu'il y ait plus de questions que de réponses. Maintenant, le chef de l'armée menace tous ceux qui sont opposés à sa feuille de route. Il n'a fait que des menaces depuis le début. Sauf que, on continue, quelle que soit la situation, on continue d'une manière pacifique, déterminée, et on ne lâchera rien. Du moins, la population ne lâchera rien du tout. Il a beau menacer, il y a un bras de fer qui est en train de s'installer. Il y a une bipolarisation entre la société et l'état-major, et à leur tête, Gaïd Salah. Et je crois qu'il faut continuer dans ce bras de fer, d'une manière pacifique, toujours, d'une manière déterminée, sans revenir en arrière. Je crois qu'il y a eu quelques victoires que la population a obtenues. Le départ de Bouteflika, c'est une victoire. L'Aïsaba, comme on dit, l'Aïsaba, c'est une victoire aussi. Le fait que le 4 juillet, il n'y aura pas d'élection, c'est aussi une victoire. Mais la bataille n'est pas gagnée. Mais qu'est-ce que je faisais ? C'est des petites victoires. Ce n'est pas suffisant. C'est le départ du système. C'est le changement radical qui est demandé. Donc, c'est des petites victoires qui ne sont pas suffisantes pour arriver au changement du régime. Il a peu menacé, maintenant on reste pacifique, on continue notre chemin, on continue notre mobilisation qui ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il y ait un changement réellement un changement de régime radical. Alors, après le 4 juin, quel plan? Le seul plan que nous avons tous ensemble, du sud au nord, d'est en ouest, c'est le changement radical. On continuera pour le changement radical, quelle que soit la situation. On continuera, toujours d'une manière pacifique et déterminée. Et je pense que si jamais la mobilisation s'arrête, ils vont reprendre du poids de la bête. Et c'est à nous, c'est la première fois. Et ça, j'en parlais déjà auparavant. Les plus âgés que nous, moi j'étais gosse à l'indépendance, les plus âgés que nous ont connu ça. Que moi j'ai pas connu, que des plus jeunes que moi n'ont pas connu. Le rêve collectif.
le hulm al-jama'i. Pour ceux qui ont connu l'indépendance, juste à l'indépendance, il y avait un rêve. Le rêve collectif, c'était quoi? L'indépendance, c'était le rêve d'une Algérie libérée, d'une Algérie démocratique. Et on a vu, pour ceux qui ont vécu cette période, صندوق تضامن نتكلم عليه صندوق تضامن بيان سرقوه من بعد استولوا عليه لكن صندوق تضامن كان بن بلا ابلي صندوق تضامن il y avait et je suis sûr que certains d'entre vous se rappellent des petites vieilles démunies ما عندها والو عندها من قوشها برك واللي عندها مسياس واللي عندها مسياس تاع جن ولا اون باك نحاتو مدتو في صندوق التضامن اللي كانت عنده حاجه مدوها لصندوق التضامن علاش بور لالجيري باسكو يافي لو ريف كوليكتيف كان الحلم الجماعي نتاع اون الجيري نوفيل اون الجيري ليبيري اون الجيري ديموكراتيك اي اوجوردي tous les jeunes et la majorité d'entre nous, on est en train, ce rêve, le premier rêve collectif, il a été détourné, il a été cassé, spolié par Ben Bella, Boumediene et tous ceux qui sont venus après. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rêver ensemble, tous comme on est, les jeunes, les femmes, les étudiants, les moins jeunes, nous-mêmes tous, le vendredi, on rêve de quoi? Tous ensemble, on rêve d'une Algérie démocratique. On rêve d'une Algérie libre, où chacun a le droit de citer. Et ce rêve collectif, il y a des éléments importants. Quand on oublie d'être les jeunes, d'être les jeunes, quand on n'essaie pas de battre une sœur dans le marché, يبعثوا خواتاتهم للمارشي يبعثوا بناتهم للمارشي كيس كون فوا لو فوندردي بارتو دون لو بيي نشوفوا هاد لي جون اللي كانوا يقولوا سي فوايي هما اللي راهم يحاميو على النساء اي سي اون رياليتي جي لي فو دو مي بروبر جو بليزيور ريبريز بوكوا ونشوفوا هاد لي جون دون لي كارتي سورتو لي غراند فيل ومن بعد لا مارش كيس كي فون Ils nettoient leur quartier, ils nettoient tout le circuit, tout l'itinéraire à la marche. Pourquoi ils nettoient? Vous savez pourquoi ils nettoient? Parce que c'est un bailik, un jartatrik tahou. Et c'est ça le rêve collectif. On est en train de, nous sommes en train justement de rêver ensemble. Et il ne faut pas que Kimester Kounen ait le premier rêve. Le premier rêve. Il ne faut pas qu'on nous vole, nous, notre rêve collectif. C'est pour ça que nous devons de rester ensemble, manifester, continuer de rêver ensemble. Et c'est ensemble qu'on va gagner la partie. Quant à la dernière question concernant Salim Abzali, je pense que ça c'est un problème interne au parti qui s'est posé à un moment donné. Salim Abzali, je la connais très très bien, on travaille ensemble pendant longtemps, c'est une femme qui est propre, qui est honnête. Selon les statuts du parti, elle aurait défié les statuts du parti. Et donc c'est un problème interne qui a été réglé sur le problème en interne du parti. Ceci étant, elle reste quand même une figure journalistique, une figure politique de premier ordre. Mais son problème a été réglé à l'intérieur du parti. Mais mes chers amis, pour conclure, continuons de rêver ensemble. Et on y arrivera. Belek. Là, on est entre deux âges. Mais les plus jeunes que nous,
vont avoir les fruits de toute cette mobilisation. Et je pense que si on est resté trois mois et plus de trois mois, à être comme ça, c'est pas demain que Gaët Salah va nous faire peur. On continuera. Et on aura gain de cause. Je vous remercie. Voilà,